Donc aujourd'hui, on va parler sur le parvovirus et la cinquième maladie. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc on dit la cinquième maladie ou l'érythème infectieux ou encore le syndrome des joues giflées. Bon, d'abord, pourquoi elle est appelée la cinquième maladie? Eh bien, parce que c'est la cinquième étiologie qui provoque un érythème chez l'enfant. Donc, quelles sont les autres étiologies? Donc, on a la rougeole, la varicelle, la rubéole et la scarlatine, et la cinquième maladie qui est due au parvovirus. Donc, il est dit encore l'érythème infectieux, parce que c'est un érythème qui va venir suite à une infection virale. Bon, il est encore dit le syndrome des joues giflées, parce qu'il va donner une éruption, et cette éruption, elle est très marquée au niveau du visage, ce qui va donner un aspect des joues qui sont giflées. Donc, est une maladie éruptive dont l'éruption, c'est une éruption qui est maculopapuleuse. Et puis, cette éruption, elle va toucher le tronc, les racines des membres, et elle va éviter la paume des mains et les plantes des pieds, et donc, c'est pas comme le syndrome main-pied-bouche qui est dû au coxsackievirus. Donc, c'est une pathologie qui est contagieuse et on va voir par suite comment se fait la transmission. Donc, le plus souvent, c'est une pathologie qui est bénigne et qui est provoquée par le parvovirus B19, ce qu'il faut noter. Donc, parvo, c'est petit. Donc, c'est un petit virus, c'est parce qu'il a une très petite taille. Il est appelé B19, pourquoi? Donc, parce qu'il a été découvert au niveau de la boîte Betri qui a le numéro 19. Et B, c'est pour la boîte de Betri. Donc, le parvovirus B19, c'est le seul virus donc, qui est pathogène dans la famille des parvovirus. Et ce qu'il faut noter encore, c'est que c'est un virus qui a ADN et c'est le seul virus à ADN qui est simple brun. Parce que l'ADN, il est double brun. Et donc, c'est le seul virus qui est à ADN simple brun. Bon, sur un plan physiopathologique, donc la contamination va se faire par voie respiratoire, par les gouttelettes ou encore par les transfusions sanguines. Donc, pourquoi les transfusions sanguines? Malgré on a des banques de sang qui peuvent éviter ce genre d'infection, eh bien parce qu'on n'a pas des kits donc, qui détectent d'une façon spécifique le parvovirus. Et puis le virus, il va se diriger vers la première cible. Donc, ce sont les cellules endothéliales des vaisseaux. Et c'est là qui va expliquer par suite l'installation de l'éruption cutanée à cause de cette atteinte qui touche les vaisseaux. D'une autre part, donc, il va se diriger vers les pro-érythroblastes. Et là, donc, ce sont les précurseurs des globules rouges qui sont présents au niveau de la moelle osseuse, mais il ne va pas toucher les globules rouges, parce que les globules rouges ne contiennent pas de noyau et le virus nécessite de faire la réplication. Et donc, il va se diriger vers les précurseurs des globules rouges, et ce qu'il va expliquer par suite, les dépressions médullaires qu'il provoque et encore les crises d'anémie. Et puis, donc, comme on a dit que c'est une pathologie bénigne, donc dans notre corps, il va faire une réponse immunitaire et il va former des complexes humains. Ces complexes humains, par exemple, si on est devant un sujet qui a un déficit de phagocytose, un déficit de complément, un problème splénique, et là, on ne va pas nettoyer ces complexes humains. Et ces complexes humains, ils vont se précipiter au niveau des articulations, ce qui va donner par suite des arthrites. Et donc, on résume le tout. Donc, pour l'incubation, c'est une phase qui peut arriver jusqu'à 20 jours. La guérison, donc le patient, il va rester par cette éruption jusqu'à 7 jours. Bon, cette pathologie se voit beaucoup plus en fin d'hiver et printemps. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui est dépendant. Dépendant de qui? Il est dépendant de l'adénovirus. C'est pour cela qu'on peut trouver une grippe qui est associée. Bon, sur un plan clinique, on a dit qu'on peut avoir une fièvre modérée avec la grippe qui peut être là, des douleurs articulaires parce qu'on a une arthrite, des démangeaisons de la peau, c'est là qui va expliquer l'utilisation des antihistaminiques comme lors de la varicelle, et on a le rachis réticulé qui est une éruption maculopapuleuse.
Bon, ce qu'il faut noter, donc là, on a un risque embryo-fœtal. Pourquoi? Parce que ce virus-là, il peut faire un passage transplacentaire, et ce qui va provoquer des fausses couches spontanées, et même il peut donner un tableau d'anasarc, donc un œdème diffus à cause d'une insuffisance cardiaque congestive avec l'atteinte des vaisseaux, et là, ce qui va provoquer le décès de fœtus. C'est pour cela donc qu'on demande une sérologie de ce virus-là dans deux situations. Quand on a une femme enceinte et qui est avec un risque d'avoir cette infection, ou encore quand on a une suspicion d'atteinte chez l'adulte. Parce que chez l'adulte, là, le tableau clinique, il peut être grave, il peut même provoquer des crises d'anémie, il peut provoquer des crises d'anémie surtout chez les sujets qui ont la drépanocytose et qui ont la sphérocytose, ou encore il peut provoquer même des types de dépression médulaire. Pour le traitement va être un traitement symptomatique. Si on a des démangeaisons, là, on va utiliser les antihistaminiques. Donc, pour éviter, donc à cause du grattage, on peut avoir une surinfection bactérienne et là, on va aggraver les choses. Encore, on peut utiliser les antipyrétiques et donc, c'est ça, donc le parvovirus. Et merci.